La poularde au vin jaune, c'est la thématique de cette vidéo. Bon, la poularde au vin jaune, moi, perso, c'est l'un de mes plats préférés. Et là, aujourd'hui, je suis venu chez Maxime à la goutte de vin. Qu'est-ce que tu nous proposes avec une poularde au vin jaune? Et des petites morilles. Ah oui, on va mettre des morilles, bien évidemment. Voilà. Alors, l'accord, le grand classique, ça va être le vin jaune, donc sur du savagnin à 100%. Là, on va retrouver le côté oxydatif qui est propre à ce cépage et vraiment le côté très prononcé de la noisette. Ouais. Ça, c'est super bon, mais c'est vrai que tout le monde n'aime pas le vin jaune. C'est un vin qui est particulier. On adore ou on déteste. Exactement. Du coup, on peut peut-être trouver une alternative. Oui, on peut rester dans le même coin, dans le Jura. Dans le Jura, sur une appellation à bois, ouais. Voilà, sur la cuvée Les Bruyères de chez Stéphane Tissot. Voilà, ça, là on est sur du 100% chardonnay, on est sur des sols calcaires. Voilà, on retrouve vraiment la typicité du chardonnay, belle minéralité, c'est droit et il y a un joli bouquet d'épices en fin de bouche. Stéphane Tissot, excellent vigneron, biodynamie, exactement, hein, magnifique, ça c'est topissime. C'est chez Maxime à la goutte de vin. Voilà, vous savez tout sur la poularde au vin jaune, il ne vous reste plus qu'à vous mettre en cuisine. Et alors là, régalez-vous parce que ça, c'est délicieux.